Duvillier au corner, au second poteau, tête Canès, allez cette fois-ci il est dedans. Égalisation par Duhamel, le jeune attaquant canet Mathieu Duhamel qui remet les deux équipes à égalité. Bah écoutez, si je vois le jeu comme je l'ai vu tout à l'heure pour toute la saison, ce sera parfait Nicolas. Oui. Au moment où je disais j'ai vraiment l'impression qu'on va finir par s'en sortir et attention à Cuvillier, il est encore passé là, Mathieu Duhamel qui va pouvoir servir Fatel Fab avec Livio Nabat, mais le deuxième but. Et le deuxième but pour le Stade Malherbe de Caen. Deuxième but avec une excellente finition de Livio Nabat sur un travail très collectif avec Cuvillier, Duhamel et conclu par Livio Nabat. Et le sorti des deux points d'Olivier Sora. Et but. Et le troisième but pour le Stade Malcan sur un missile de Laurent Agouazi. Un véritable missile de Laurent Agouazi. Olivier Sora a détourné des deux points ce ballon. Agouazi à une vingtaine de mètres plein axe a tenté sa chance. Une magnifique reprise de volée et tue définitivement le match et permet au Stade Malherbe de Caen de remporter en plus avec la manière ce match en ce but de Laurent Agouazi. Il est magnifique. Sora qui dépasse